Derfira, quitte ton pays, quitte ce que tu sais déjà, quitte et va sur ce chemin que je t'indiquerai. Mais donne-moi quelque chose, je ne vais pas comme ça partir à l'aventure. Non, va, sors. Sors, tché. Et là, tiens, c'est quelque chose qui me vient maintenant. Hein. Qu'on va parler de Pessard. La Pâque juive, quoi, que je joue à l'universel. Il y a, dans la Haggadah, quelque chose que je trouve très fort, je viens de le dire, même chose. Et bon, c'est peut-être aussi une solution. Et j'y crois à ça. Tse ulmad. Sors et étudie. Sors. Quitte ton ancien, ton père, c'est-à-dire tes repères, ton pays de naissance, tu lâches, c'est ça, donc ta carte, ce qui t'a construit même, Ulmad, et étudie, apprends, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire pour rentrer dans ce nouveau, il faut sortir. Comme si tu changes ta carte du monde, quoi. Et on partage entre des acquis, des choses connues, des choses qu'on a apprises, qu'on se transmet, transmission, j'apprends. Et puis, chez Ulmad, ça c'est puissant. Sortie de soi pour aller vers cet inconnu, ce renouveau niveau de l'apprentissage. Apprentissage qu'on connaissait déjà. Voilà un peu ce que je propose, quoi. De sortir, aller vers cet inconnu. Puis, de redevenir des étudiants, des apprentis. Apprentissage.